Eh bien salut tout le monde, j'espère que tout va bien et moi je suis à la Gamescom, donc je viens de commencer mes petits rendez-vous là de la journée et je viens de sortir de Haven, qui est un jeu indépendant développé par The Game Bakers, que l'on connaît pour l'excellent Fury. Donc forcément j'y suis un petit peu allé en mode oh, qu'est-ce qui se passe ici, ça a l'air super joli et tout, donc voilà, forcément extrêmement curieux d'en savoir plus sur ce titre. Donc on a pu jouer pendant une bonne demi-heure, on a pu voir le jeu, parler un petit peu avec les développeurs et en savoir plus là où veulent nous mener les petits gars du studio tout simplement. Alors dans cette démo on a pu découvrir surtout les personnages, leurs relations. Donc voilà, tout simplement, en fait, on y incarne un couple de jeunes qui sont éperdument amoureux. C'est vraiment très touchant, très mignon. Alors très honnêtement, je pense qu'il faut aimer ce délire de couple, ce délire, voilà, que cette petite amourette, etc. C'est très, très intense, direct. On est vraiment plongé dedans. C'est pas une relation qui se construit. On voit vraiment qu'ils sont là, qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont confiance l'un en l'autre. Il y a de la complicité. Mais ça reste assez léger. C'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose qu'on nous envoie au visage non plus. Enfin, voilà, on a quand même leur bonheur hein, qui est là, visible sous nos yeux, mais ça reste assez léger, c'est vraiment très agréable. Donc ça, c'est vraiment un très gros point fort de cette session, c'est quelque chose qui m'a touché tout de suite, et du coup, on accroche énormément aux deux personnages. Alors déjà, avec cette relation, leurs échanges, l'écriture qui semblait juste, donc c'était évidemment une démo en anglais, mais voilà, la compréhension était assez simple et c'était vraiment sympa à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a aussi leur chara-design qui joue énormément sur ça. De toute manière, vous le voyez au niveau des images, hein. Que ce soit le chara-design des personnages, que ce soit la direction artistique, les couleurs, etc. C'est quelque chose de très chatoyant, quelque chose de vraiment très joli visuellement. Donc voilà, c'est ça claque. Pareil pour au niveau des musiques, on a eu le droit à quelques petits extraits. On n'a pas pu entendre beaucoup, mais ça suffit pour nous dire que le jeu sera forcément quelque chose d'incroyable sur le plan artistique. En tout cas, on l'espère et c'est vraiment cette impression que nous a donné cette première démo. Alors dans cette démo, on a commencé par un sorte de petit tuto, hein, c'était certainement pour nous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, du coup on explore un petit peu, on peut surfer en fait sur une sorte d'énergie, on doit d'ailleurs en avoir pour alimenter notre maison. Du coup voilà, on doit aller en récupérer dehors, etc. Quand on se balade, du coup forcément on se balade à deux. Voilà, le petit truc mignon, c'est qu'on peut se tenir la main, enfin on se tient la main automatiquement lorsque l'on court côte à côte. Et ça reste fluide, mais voilà, c'est peut-être un petit peu lourd, c'est pas non plus quelque chose de ultra dynamique, ultra rapide, ultra nerveux. Ça reste de l'exploration simple, mais c'est vraiment sympa. Donc du coup, après cette petite mise en bouche à l'extérieur pour nous prendre un petit peu les mains, etc., on revient à l'intérieur de la maison, on continue notre petite vie de couple. Donc là, on doit faire à manger à notre dulciné. Donc voilà, on a ramassé quelques morceaux de pommes. Alors quoi de mieux que de lui faire quelque chose à base de pommes. Vous avez des dialogues, on a quelques choix. Ces choix n'influent pas forcément hein, sur l'histoire, mais juste sur quelques scénettes. Voilà, donc ça nous permet de choisir par exemple le plat qu'on peut lui faire. Donc là, forcément, on est parti sur les pommes, on pouvait partir sur autre chose qu'on avait ramassé, et en fonction de ça, elle va réagir d'une manière ou d'une autre. Donc ça se joue dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez jouer les deux personnages, mais les dialogues, ça peut très bien correspondre à la fille, au garçon, etc. Vous n'allez pas choisir un personnage prédéfini au début, ce sera l'histoire qui va vous dire, voilà, vous allez devoir répondre à cette question que votre homme a posée. Bref, et en fonction de vos activités que vous réalisez à deux, donc que ce soit les échanges, comme là par exemple le manger, à la fin on gagne de l'expérience. Donc en fait, c'est tout simplement un système d'expérience, c'est la relation qui va augmenter, donc on a une jauge de relation. Ça n'a pas du tout d'impact direct sur la relation des deux personnages. C'est pas parce qu'on va passer beaucoup de temps à deux, qu'on va faire des activités, etc., qu'ils vont plus s'aimer ou moins s'aimer s'ils se prennent la tête par exemple. C'est vraiment le système d'expérience qui va faire qu'on va gagner des niveaux et qu'on va certainement pouvoir améliorer nos compétences, etc., etc. Bon, on n'en sait pas plus, mais on nous a évoqué en tout cas la possibilité d'améliorer nos attaques. Au niveau des attaques, j'en viens. Donc du coup, il s'est passé quelque chose. On a un petit peu exploré le monde et on est arrivé contre des monstres. Voilà, il s'est passé quelque chose sur la Terre. On a croisé 2-3 monstres qui étaient pacifistes. Ils étaient pacifiques, pardon. Et du coup, après, on en a croisé des qui étaient un petit peu moins gentils. Et ces monstres méchants qui avaient quelque chose de rose sur eux, on devait les combattre. Donc ils nous attaquent et c'est un petit peu, voilà, c'est un RPG classique au tour par tour, en semi-temps réel. Où on peut du coup, on attaque, on choisit nos attaques, etc. Donc on avait une attaque à distance, on avait une attaque au corps à corps en fonction des caractéristiques du monstre, où on va infliger plus ou moins de dégâts. Donc il y en a qui vont être plus sensibles à distance, d'autres qui vont être plus sensibles au corps à corps. On peut se protéger, donc en maintenant, voilà, les 4 touches d'action qu'on avait, c'était se protéger, attaquer à distance, attaquer au corps à corps, ou pacifier le monstre. Du coup, pour cela, il suffisait de rester, il fallait maintenir la touche correspondante. Ce qui est super sympa, c'est que là, on a joué en solo.
Donc on contrôle les deux personnages, donc le côté droit de la manette on contrôle un des personnages, le côté gauche on contrôle l'autre manette, enfin l'autre personnage pardon, et du coup il faut rester appuyé, donc on peut attaquer en même temps, on peut en faire qu'un seul attaqué, les deux, voilà, on peut un petit peu différer, et on a des actions de couple entre guillemets. Par exemple la fille peut très bien se mettre en garde et protéger, tant qu'on reste sur la garde et qu'elle fait pas d'autre action, elle reste en posture de garde, lui il peut continuer à attaquer, et si les monstres vous attaquent, et bien elle vient du coup s'interposer, et ça vous permet de ne pas prendre de dégâts de 1 et de 2, de continuer votre attaque et de la charger. Une fois que vous avez diminué un petit peu les points de vie des monstres qui sont en face de vous, tout simplement à un moment il faut les pacifier, donc vous appuyez sur la touche correspondante, tout simplement vous les pacifiez, et le monstre est battu entre guillemets, c'est la fin du combat. Donc pareil, à la fin du combat on gagne un petit peu d'expérience, et beaucoup moins que la cuisine pour le coup, puisque en fait chaque activité de couple va rapporter de l'expérience, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les activités de couple qui vont rapporter plus d'expérience, donc qui vont augmenter plus cette jauge de relation plutôt que les combats en eux-mêmes. Donc il y a vraiment une mécanique autour de ça, c'est vraiment pour mettre en avant cette histoire de couple entre les deux personnages. Et pour rester un petit peu sur cette idée de relation, donc oui, il y avait effectivement la cuisine qui nous permettait d'augmenter cette jauge de relation, donc on choisissait le plat, etc. Enfin je vous en ai déjà parlé. Et à côté de ça, au niveau des plats, on en a plusieurs, il y en aura certainement d'autres au fur et à mesure de l'aventure. Et il y aura d'autres activités qu'on pourra réaliser en couple et qui permettront du coup d'impacter cette jauge et d'impacter notre relation, avec des scénettes qui sont très sympas en format visual novel, ça reste assez classique pour le coup, où on pourra du coup dialoguer entre les deux personnages. Petite précision, là on a joué en solo, on contrôlait donc les deux personnages avec une seule personne, mais le jeu est aussi jouable à deux, donc en couple, je pense que c'est quand même le premier public visé pour le coup, avec un autre contrôleur, donc il y a un autre joueur qui va contrôler l'autre personnage. On n'est pas libre dans le sens où les deux personnages vont pas aller à droite et à gauche et faire leur vie, on va vraiment jouer ensemble, c'est-à-dire que par exemple quand on explore, l'autre personnage suivra avec des contrôles limités, il restera derrière, il pourra bouger un petit peu. Au niveau des combats par contre, chacun contrôle son propre personnage, on peut faire évidemment des attaques combinées et tout. Et au niveau des dialogues, on a demandé si les deux personnages étaient vraiment indépendants, c'est-à-dire que si la fille, par exemple, il y a quelqu'un qui tient le personnage féminin, est-ce qu'il pourra répondre quand c'est son personnage qui répond? Là non, les décisions doivent être synchronisées, donc il faudra s'accorder sur la réponse. Bon, là pour le coup, c'est sujet à débat. Moi j'aurais trouvé ça cool par exemple que la personne qui contrôle la fille fasse toujours toutes ses actions, mais bon. Voilà, après peut-être que ça plaira plus à d'autres. Donc très bonne impression niveau graphique, c'est vraiment la DA qui joue énormément, c'est coloré comme je l'ai dit. Le seul bas qui blesse peut-être, c'est pas hyper joli les modèles 3D, etc. C'est sympa, mais il aurait certainement pu avoir un petit peu mieux sur ça. C'est vraiment la DA qui ressort et qui rend cette impression que c'est vraiment très très beau. Donc reste à voir sur le long terme, maintenant un petit peu voir si l'exploration va être... y aura plus de choses à explorer, etc. Là il y avait un boss qu'on n'a pas pu faire, mais on nous a expliqué qu'il y avait aussi des attaques combinées qu'on pouvait réaliser ensemble. Par exemple, il y avait un enchaînement à effectuer et il fallait du coup le faire en même temps les deux personnages, donc je suppose qu'en coop ça prenait encore plus une autre dimension sur ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une très bonne surprise. Haven, c'est prévu sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch pour 2020, apparemment en simultané, puis peut-être plus tard autre part. Donc on nous a pas dit, mais je suppose que c'est la Xbox One qui a été évoquée. Donc en tout cas très bonne surprise, j'espère vraiment que ce sera confirmé lors du test, et je vous en reparlerai bien évidemment. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, est-ce que vous attendez ce Haven, et si jamais c'est le cas, allez-y, dites-le moi, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, moi sur ce, je continue mon petit tour de la Gamescom, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.